Béni soit Dieu. Avant de vous asseoir, prenez encore le temps de saluer 5 personnes rapidement, 5 personnes en disant bienvenue dans sa magnifique présence. Dieu est présent par son esprit. Ah, quand tu salues, tu dois sourire avec le sourire, mon frère, avec le sourire, ma soeur, parce que Dieu est présent. Bienvenue à ce second culte. Nous avons commencé nos temps de culte, premier culte, deuxième culte, c'est la deuxième semaine maintenant. Ne t'inquiète pas, mon frère, ma soeur, Dieu nous emmène petit à petit. Dieu a un peuple très nombreux à gagner. Quelqu'un me dit amen. Il a dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dieu a un peuple nombreux dans cette ville et nous allons les chercher. Il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas, nous irons les chercher. Afin que sa maison soit remplie, dis-moi un bon amen. Je voudrais juste vous faire une remarque très importante. Parce que beaucoup font les choses par ignorance, mais offensent le Saint-Esprit sans faire exprès. Tant que le culte, on commence le culte par la prière dans sa présence, on finit le culte par sa prière. Je vous donne un conseil gratuit. Ne quittez jamais la salle tant qu'on n'a pas fait la prière de clôture. C'est l'équivalent de quelqu'un qui a ouvert une parenthèse, qui a oublié de la fermer. Dieu est un Dieu d'ordre. N'oublie pas, il n'est pas juste alpha. Il est alpha, mais il est aussi oméga. Ce qui commence, il doit l'achever. Donc à vous qui avez l'habitude de sortir, c'est vraiment de l'ignorance, mais cette ignorance, ça peut vous coûter très cher. Il y a des dépôts, il y a des grâces que Dieu ne fait qu'à la fin. Faites attention, ne méprisez pas la parole de Dieu. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que Dieu dit. Si tu es trop pressé, mon frère, je t'en prie, retiens. De toute manière, quand on est ici, là. Si tu es très important dans la tu as une fonction importante, tu dis, mon Seigneur, pendant que je suis ici, là, que personne ne m'appelle. Dieu va agréer ta foi. Que personne ne me cherche. Si tu as des rendez-vous, tu dis, Seigneur, pendant que je suis ici, là, dans ta présence, personne ne me cherche. On ne te cherchera pas. Mais quand on aura dit, amen, on te dit, on vous cherche maintenant. Et là, tu pourras aller. Apprends à honorer Dieu. Apprends à honorer la présence de Dieu. Quelqu'un me dit, amen. Le week-end qui vient, donc à partir de vendredi, on vous l'a dit, nous serons donc en séminaire avec le pasteur Mathieu Hachimolo. Beaucoup ne le connaissent pas, mais je tenais juste à dire un petit mot, parce que parfois on reçoit quelqu'un, mais on ne sait pas qui on reçoit. Celui qu'on va recevoir ce week-end, vous savez, chaque homme de Dieu, ou un de Dieu, transporte une grâce, transporte un manteau, transporte une capacité que Dieu lui a donnée. Et il y a des choses que Dieu ne fait dans ta vie que lorsque tu te connectes à certaines personnes. Tant que tu es isolé, tout seul, là, ça ne marchera jamais. Il y a des choses que tu n'auras pas. Pas parce que Dieu ne t'aime pas, parce que tu n'es pas connecté. Quelqu'un me dit amen. La grâce que vous voyez sur l'église impacte son chrétien, sur les églises impacte son chrétien dans le monde. Les gens viennent, c'est ça, ils disent, waouh, ils sont organisés dans leur fonctionnement, dans leur machin. On a pris ça quelque part. Dieu nous l'a accordé au travers du ministère de la vie de son serviteur, le pasteur Mathieu Hachimolo. Dieu nous a appris à être une église organisée, une église structurée, une église disciplinée. Ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas Mayele, non. Ce n'est pas l'intelligence d'un homme, c'est la grâce que Dieu donne par un homme. Il y a une grâce, par exemple la grâce de la prospérité financière qui est déposée sur les églises ICC. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Allez à Bruxelles, allez à Paris, allez en Guadeloupe, allez en Martinique, allez à Cotonou, allez à Lomé, allez partout dans tous les campus. Il y a une grâce financière qui repose sur l'église, qui fait que qu'on soit pauvre ou riche, quand on rentre la pauvre, au bout d'un certain temps, la pauvreté est obligée de s'excuser et de lâcher. Pourquoi? C'est une capacité, c'est une grâce. Cette grâce qui est sur les églises ICC, Dieu nous l'a accordée par la vie du pasteur Mathieu Hachimolo. Donc sa venue ici est en réalité la continuité de la dédicace. Jusqu'à la fin du mois de mars, nous serons dans un esprit de célébration, d'honneur et d'appréciation à Dieu pour ce que Dieu a fait dans le palais de gloire. Il aurait dû être là, il aurait pu être là, mais il n'a pas pu être là parce qu'il est en train de gérer un problème au Nigeria. Et il sera là donc avec nous pour les 3 derniers jours du mois de mars. Quelqu'un me dit amen. Et au-delà de la grâce prophétique qui est très accélérée, qui est très profonde dans sa vie, qu'on va voir au-delà de la grâce des miracles, des guérisons, c'est certain, il y en aura encore ce week-end, dit amen. Et il y en aura encore de manière intensifiée pendant le mois d'avril, de mai, de juin, de juillet, de août, de septembre. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit un bon amen. Au-delà de ça, donc ce week-end, nous venons vraiment avec un cœur qui est rempli. On ne vient pas voir un homme de Dieu, on vient voir le Dieu qui utilise les hommes. Et on vient honorer Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Donc nous serons là, je sais que Dieu va faire déverser beaucoup de grâce. Donc vraiment, si tu n'es pas là, vraiment c'est ton choix, c'est ta responsabilité. Mais nous serons là pour recevoir. Et pendant ce séminaire de 3 jours, nous aurons un moment particulier, mais pas tout le monde, juste avec les partenaires des piliers du royaume. Il y a des gens qui, lorsque le Seigneur a commencé cette œuvre de baptiste, de construction du palais de gloire, qui ont décidé d'obéir à Dieu. Tout le monde n'a pas obéi à Dieu. Dieu avait dit, mobilisez-vous et apportez dans ma maison et faites-le avec un cœur généreux.
Dieu avait dit il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, il avait dit, personne n'est obligé de le faire. Mais ceux qui le font doivent le faire de tout leur cœur. Quand tu donnes à Dieu, ce n'est pas non, tu le fais avec joie et en étant généreux, ou bien tu ne le fais pas du tout. En sachant que ce que tu as vient de lui. Ce que tu es aussi vient de lui. Quelqu'un me dit amen. Donc il y a parmi nous des frères et des sœurs qui s'étaient engagés dans cette opération des piliers. Et nous aurons une session spéciale avec le pasteur Mathieu Hachimolo. Juste les piliers, ceux qui ont contribué et nous les connaissons, ne t'inquiète pas. On sait qui a été, parce qu'il y en a qui ont pris des engagements, qui les ont respectés jusqu'au bout, qui ont fini leur engagement. C'était un vœu. Dis avec moi, un vœu. Quand on prend un vœu devant Dieu, il a dit, si tu fais un vœu, à toi de l'accomplir. Mais si tu fais un vœu, tu ne l'accomplis pas, sans faire exprès, tu viens de déshonorer Dieu. Fais attention. On ne prend pas un engagement, un vœu à la légère. Quand on fait un vœu, on dit, je m'engage à donner, par exemple, 2 millions, par exemple, 10 millions. Ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est toi qui as dit. Mais Dieu va te donner la capacité d'honorer ton vœu. Mais ça, c'est une question de cœur à cœur. Il y en a qui ont dit, je m'engage à donner 10 millions, ils ont donné 100 000, 10 000. Mon ami, là, Dieu sait que là, tu te moques de lui. Ah, en tout cas, là, on n'est pas ensemble. Donc, ceux qui ont pris l'engagement et ceux qui ont respecté leurs engagements, nous allons, l'Église va vous contacter. Nous sommes moins de 300, ceux qui ont donné. Il y en a qui ont donné 2 millions, c'était le minimum. Il y en a qui ont donné 10 millions, il y en a qui ont donné 100 millions. C'était sur 4 ans, l'engagement. Il y en a qui ont donné au-delà, qu'importe. Il y en a, je connais certains d'entre nous, ils devaient faire leur maison, ils devaient acheter leur terrain. Ils ont bloqué les projets personnels qu'ils avaient pour financer le palais de gloire. Et tu vois, tu crois que Dieu va oublier ce genre d'acte. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas oublié. Les hommes oublient, Dieu n'oublie jamais. Donc, pendant que nous serons dans le séminaire avec le pasteur Mathieu, nous aurons une session spéciale avec tous les partenaires qui ont soutenu ce projet des piliers du royaume. Et le pasteur Mathieu va prier pour que la grâce qui est sur lui, là, cette prospérité financière, là, s'établissent dans la vie de tous ceux qui ont contribué pour la construction du palais de gloire. Toutes les personnes qui ont donné, je vous dis, il y en a qui sont vraiment sacrifiés. Beaucoup d'entre nous, nous sommes saignés financièrement pour que ce projet voit le jour. Pour que les multitudes qui sont sauvées viennent dans ce lieu et soient restaurées, et soient transformées. Mais faire ce palais de gloire, ce n'est rien si le Saint-Esprit n'est pas honoré. Si Jésus n'est pas glorifié, ça ne sert à rien. Dis-moi un bon amen. Donc, nous vous contacterons dans la semaine, lundi, mardi, mercredi ou plus tard, pour vous dire où ça se fera. Mais nous allons avoir en ce temps un cocktail avec tous les partenaires de l'église ICC, ceux qui ont donné de leur trésor, donné de leurs dons, financiers je parle. Nous serons à l'hôtel Radisson, ça sera soit samedi matin, soit dimanche à 14h, on va voir dans la semaine, on vous dira exactement. Voilà, quelqu'un me dit gloire à Dieu. Toi qui as pris l'engagement, qui n'a pas encore respecté, honoré ton engagement, si tu peux le faire cette semaine, on est ensemble. Toi qui n'as rien fait aussi, mon ami, il a dit que chacun donne librement, avec joie. Donc ne t'attends pas à ce qu'on te dise, allez, fais ça, donne. Non, c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Quelqu'un dit amen. Avant de passer à la parole, je voudrais aussi prendre le temps d'honorer la présence de notre grand frère qui est là avec nous ce matin, l'archevêque, le chantre de l'Éternel. Lui, c'est un vrai adorateur. Lui, c'est pas un chant pour chanter. Lui, c'est un adorateur véritable du Dieu vivant. Aidez-moi à honorer famille, c'est votre ami, le pasteur Marcel Bungu. Hey, jeune homme, mets la caméra sur lui. Filmez pasteur Marcel. Gloire à Dieu pour son serviteur. Tout à l'heure, je l'appellerai pour la prière de fin. Quelqu'un dit amen pour lui. Voilà, il faut savoir honorer assez vous dans sa présence. Il faut savoir honorer les grands frères et puis les hommes de Dieu, surtout qui ont un cœur. Beaucoup ont commencé, mais qui ont mal fini. Ils n'ont pas gardé leur cœur. Mais il y en a qui ont gardé leur cœur avec Jésus, attaché à Christ. Dis-moi amen. Alors, sans plus attendre, nous voulons rentrer dans la parole. Dis amen. Depuis le début de cette année, Dieu est en train de nous parler de l'importance de savoir honorer, accueillir la présence de Dieu, la présence de Jésus. Or, Jésus est présent aujourd'hui par le Saint-Esprit. Honorer la présence du Père, accueillir la présence, c'est-à-dire que quand elle vient, elle ne fait pas que passer, mais elle demeure et elle est établie au milieu de nous. N'oublie pas, nous sommes en quelle année ? 2019. Et Dieu a déjà dit que 2019, pour toi, c'est ton année d'accroissement et d'expansion par le 2019. Dis-le toi-même. Et d'expansion par le. J'ai dit, dis-le à la face du diable. 2019, mon année d'accroissement et d'expansion par le. Par le. Par le. Donc tu reconnais que ce n'est pas une œuvre humaine, c'est l'œuvre divine qui fera que ta vie va s'étendre, va s'accroître, va se multiplier.
Est-ce que tu veux acclamer le glorieux Saint-Esprit qui le fera? C'est lui qui le fera. Et ça se passera quand? Cette année 2000. Nous ne sommes pas en 2020. Nous sommes en 2019. Quand Dieu a déclaré la parole prophétique, il dit pour ICC Brazzaville, c'est la famille. Ce n'est pas les bâtiments, c'est la famille, c'est le corps. Donc c'est toi et c'est moi. Si tu es dans cette famille spirituelle, tu n'as pas le choix que de grandir, de t'augmenter à tous les niveaux où tu as envie de t'augmenter cette année et de t'étendre par la puissance du glorieux Saint-Esprit. Donc ça veut dire quoi? Tant qu'on n'est pas encore en fin décembre, tu ne peux pas mourir et tu ne mourras surtout pas. Et même en 2020 aussi, tu ne partiras pas de manière prématurée. Il y a des gens ici qui font des rêves où tu vois la mort te poursuivre, où les anges de la mort te poursuivent. Tu peux lui dire à sa face, tu dis, pauvre diable, tu es arrivé trop tard. Le sang de Jésus a déjà été versé pour moi. Je ne mourrai pas, je ne peux pas mourir, pauvre diable. Mon frère, aucun démon ne prendra ta vie avant ton heure. Je n'ai pas entendu ton amen ici. Aucun diable ne prendra la vie de tes enfants. Toi dont l'ennemi voulait tuer les affaires. Tes affaires ne mourront pas. Tes études ne mourront pas. Nous sommes, on ne parle pas encore de 2020. Nous on parle d'abord de 2019 où Satan avait fait des projets pour te nuire. Ces projets sont sans effet. Et en plus, en ce premier jour de la semaine, la parole que nous déclarons, c'est la parole qui est et qui va te poursuivre cette semaine. Quel que soit ce qui te combattait cette semaine, puisque tu es venu honorer Dieu, ceux qui te combattaient, les démons qui te tourmentaient cette semaine, non seulement ils seront combattus et vaincus par le sang de Jésus. Tout démon qui te combat, ah mon frère, cette semaine, ils seront combattus et vaincus par le sang de Jésus. Si tu crois dans ces paroles prophétiques, donne un bon amen. C'est ton année, que personne ne te dise le contraire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sois pour toi calme. Laisse. Voilà pourquoi quand je dis 2019, il faut parler à la face du diable. Quand tu sens ton corps est souffrant, tu dis c'est mon année d'accroissement dans la bonne santé, accroissement dans les affaires, accroissement dans la sagesse, accroissement dans la prospérité, accroissement dans la foi, accroissement dans la consécration, accroissement en sagesse, accroissement en stature. C'est ton... Mais je suis en train de parler de ton histoire. Oh. Accroissement de tes témoignages. Il y a des gens ici, à partir du mois d'avril, tes témoignages ont commencé, mais tu auras des témoignages maintenant chaque semaine. Tu vas dire ce que Dieu a fait chaque semaine. Je regardais les témoignages hier soir, je disais waouh, nous recevons de plus en plus. Si Dieu fait quelque chose, même si c'est petit, témoigne. Quand tu témoignes, ça s'intensifie. Quand tu rends grâce à Dieu par le témoignage, la grâce s'intensifie, la grâce s'établit. Voilà pourquoi il ne faut pas dire, ah, j'ai été préservé de la mort. Tu dis seulement, oh, c'était seulement comme ça. Quoi? Dis, Seigneur, je te loue de ce que je rends gloire à Dieu, de ce que l'ennemi me poussait pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Béni soit l'Éternel. L'Éternel est le sujet de mes louanges. L'Éternel est mon appui. Dis amen, c'est à toi que je suis en train de parler. L'ennemi est de plus en plus en colère. Depuis qu'on a déménagé ici, il est vraiment en colère. Mais nous aussi, on est vraiment en colère. Et nous, dans notre colère, on gagne les âmes. Dans notre colère, on sauve les âmes. On dépeuple le royaume des ténèbres et on agrandit le royaume de Dieu. Oh! Dans un bon amen. 2019, c'est mon année d'accroissement et d'expansion par le Saint. Acclame le glorieux Saint-Esprit. Acclame la magnifique présence de Dieu. Acclame la droite de Dieu qui est élevée et qui manifeste sa puissance, sa splendeur et sa force dans le nom de Jésus le Christ. Donne un amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Donc j'étais en train de dire, donc je reviens donc sur le message. Est-ce que je peux commencer le message? Oui. L'Esprit veut rassurer quelqu'un. Tu ne partiras pas, tu ne mourras pas. Et quand je dis que ceux qui te combattent seront combattus et vaincus. Comment? À cause du sang de Jésus. Cette semaine-là, beaucoup d'entre vous, le sang de Christ va parler, balayer vos adversaires. Mais comme vous n'avez pas idée,
avant dimanche prochain, il y a quelqu'un ici, tu auras un témoignage. Pour dire, pasteur, la parole du dimanche, je l'ai prise. Je suis arrivé à la maison, j'ai dit, je plaide le sang de Jésus. Les voleurs ont dit, non, 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 pas le sang, pas le sang. Je te dis que le sang parlera pour toi cette semaine. Pauvre diable. Il a beau se mettre en colère, malgré la puissance de la mort terrifiante. Les hommes n'ont pas beaucoup de réponses contre l'esprit de mort qui ravage. Dieu a une réponse. Lorsque la mort voulait prendre Jésus, je te dis, tu ne me touches pas. La Bible dit, il rendit l'esprit. C'est lui-même qui a rendu l'esprit qui est mort. Et la mort dit, on va garder la tombe. Il ne doit plus jamais revenir. Le type l'a dit, dans 3 jours, il va revenir. Bloquez tout, bloquez les portes, fermez les portes du séjour des morts. Et ils ont verrouillé, verrouillé. Vous avez oublié, il y a quelqu'un qui est la résurrection et la vie. Lui, quand il rentre quelque part, même quand il y a la mort dit, non, pas, nous, on ne peut rien faire. Il est la vie. Il est la résurrection et la vie. Mon ami, tout ce qui était mort dans ta vie reprend vie ce matin. Quelle mort! Quel le pouvoir de la mort? La mort a perdu son pouvoir devant le Rédempteur, devant l'agneau de Dieu, devant le Messie, mon grand frère, ton grand frère, l'admirable conseiller, le Père éternel, le Prince de paix, Emmanuel. Il s'appelle Jésus, il s'appelle le Messie. S'il y a quelqu'un qui l'aime, donne-lui un bon Amen pour son œuvre. Donc ne t'inquiète pas. S'il y a quelqu'un ici depuis le mois, on dit, mais c'est mon année d'accroissement et d'expansion, mais ma vie est toujours bloquée. Je sens, je passe par un désert. Oh là là, ça c'est une bonne nouvelle. Si tu passes par un désert, c'est une bonne nouvelle. C'est que Dieu est en train de te faire mourir un peu. Parce que n'oublie pas, Dieu n'utilise pas les vivants. Il ne ressuscite que les morts. Donc, si tu sens que tu es en train d'être affaibli, tu sens que tu es en train de perdre des choses, alors que ce n'est pas ça que tu devrais vivre. Non, tu m'as envoyé ce matin pour te dire bien au contraire. Des fois, il faut laisser mourir les choses. Il faut laisser mourir les relations. Pour que de nouvelles relations ressuscitent, il faut que tu meures à toi-même. Il faut que tu meures afin que la puissance de la résurrection vienne te secourir. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras l'histoire de la résurrection dans les morts de ta vie. Pour qui je suis en train de parler ce matin? Pour qui l'esprit me pousse à parler? Il y a quelqu'un pour qui Dieu est en train de me pousser à parler. Tu ne mourras pas. On a dit que tes entrailles allaient mourir. Tes entrailles, ton sang ne mourra pas. Ton mariage ne mourra pas. Mais beaucoup sont sur le point de voir la puissance du ressuscité à l'œuvre. Moi, j'aime quand les situations sont pourries, perdues, terminées. Là, on a dit, ils sont déjà comme Lazare. C'est là que Jésus dit, le quatrième jour, Lazare, sors! Tu sors comme Lazare cette semaine! Que tout ce qui veut faire mourir ton sang, mourir tes entrailles, par les kystes et les fibromes, dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, soit détruit ce matin. Cette parole est pour quelqu'un. Tout ce qui est kyste, fibrome, tout ce qui est kyste, fibrome dans ton corps, meurt dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus. Reçois cette parole et sois libéré maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit. Si tu reçois cette parole, donne un Amen pour toi-même. Les gens ici, le diable a dit, tu n'as pas le droit de te marier. Écoute-moi, je parle par la puissance du Saint-Esprit. Cette semaine, tout esprit qui combat ton mariage, tout autel satanique qui parle contre ton mariage, qu'il soit jugé par le sang de Jésus-Christ. Si tu reçois ces paroles, donne un Amen de quelqu'un qui a la foi. Merci Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut acclamer le nom de Jésus? Le nom de notre... Le nom du Seigneur. Le nom de Jésus. Jésus est le Seigneur. En fait, j'ai demandé d'acclamer Jésus, pas le pasteur, jamais, mais Jésus le Christ. Ah, et puis ce n'est pas obligatoire, c'est pour ceux qui l'aiment seulement. Que ceux qui l'aiment, donnez Amen en son honneur. Gloire à Jésus. Amen. Venez vous asseoir dans sa présence. Oh, il faut bien que je rentre dans le message.
Donc le Seigneur nous a parlé de l'importance d'accueillir sa présence, honorer la présence de l'Esprit, la présence du Saint-Esprit. Il nous a dit qu'une manière de l'honorer, après beaucoup de choses qu'il nous a enseignées, c'est dans le service. Il nous a parlé de deux manières de servir, servir le Christ ou servir Dieu dans sa divinité et servir le Christ dans son humanité. Dans sa divinité, on l'a vu, c'est adorer Dieu, célébrer Dieu, se tenir dans la présence de Dieu et offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable. Le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Ça, c'est servir Christ dans sa divinité. On se tient, c'est ce qu'on fait le vendredi soir. On prie. Et on honore Dieu. On lui dit, on t'aime, nous t'aimons, nous te bénissons. Bisous papa, bisous Jésus, bisous Saint-Esprit. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Père, nous déclarons notre amour. Ça, c'est servir Dieu. Quand tu le fais, même si c'est 5 minutes, tu es en train de le faire pendant 5 minutes. Tu es en train de rendre un culte qui lui soit agréable. Oh, parce que n'oublie pas, il cherche de véritables adorateurs. Des gens qui l'aiment et qui le lui disent. Ne dis pas, moi je t'aime, mais tu le sais. Non, moi je t'aime, mais je te le dis. Oh, tu as raté une bonne occasion de dire amen. Moi je t'aime, je te le dis. Et alors ça veut dire quoi? On est en train de parler maintenant de servir le Christ dans son humanité. Ça veut dire quoi? Servir Christ dans son humanité. Ça veut simple. N'oublie pas que Christ est la tête d'un corps. Son corps s'appelle l'Église. Son corps c'est l'Ecclésia. Il a commencé la construction de l'Église après sa résurrection. Et ce corps est appelé à grandir. Donc servir le Christ dans son humanité, c'est s'occuper de son corps, sa famille, son Ecclésia, son Église. Or lui, il a une obsession, c'est que son Église doit grandir. Il a dit que le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. L'obsession numéro un de Dieu, ce n'est pas les bâtiments, ce sont les cœurs des hommes. L'obsession numéro un de Dieu, c'est les hommes. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a sacrifié. Qu'il a sacrifié. Ce que Dieu avait de plus cher, c'était son Fils. Il a sacrifié dans le but de récolter plusieurs fils dans toi, dans moi. Et dans ceux qui ne sont pas encore là doivent entrer. Servir le Christ dans son humanité, c'est obéir donc à son mandat de aller. Allez, Marc 16. De par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Waouh! Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez! Ne restez pas. Allez! Servir le Christ. Toutes les fois que tu pars, témoigner Christ, évangéliser, raconter ce que Dieu a fait, parler de Christ, témoigner de Christ, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'être classé dans la catégorie des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas le fait d'être pasteur, ça ne veut rien dire. Il y a des pasteurs qui n'obéissent pas au mandat d'aller. Ils ne sont pas des serviteurs. Le serviteur, c'est celui qui a accepté d'aller. Aller faire quoi? Prêcher Christ à toute la création. Gagner le maximum d'âmes. Remplir la famille de Dieu. Si tu me suis dit, amen. Les gens sont sous l'oppression du monde des ténèbres. Il faut les sortir de là. Et il faut les transférer dans le royaume de Dieu. Deux royaumes se superposent sur la terre. Et les hommes ne le savent pas. Nous naissons tous pécheurs. Mais nous ne sommes pas obligés de rester pécheurs. À un moment donné, quand nous naissons pécheurs, nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Là, on n'est plus pécheurs. On devient ce qu'on appelle un saint de Dieu. Saint, ce n'est pas celui qui est mort. Saint, c'est celui qui a été sanctifié. Comment? Par le sang de Jésus. Comment il a été sanctifié? Il est sauvé. Il est entré dans le royaume, il est né de nouveau. Et pour qu'il naisse de nouveau, quelqu'un doit lui annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas ICC. La bonne nouvelle, c'est Jésus le Christ, son œuvre achevée. Jésus-Christ est mort. Il a été crucifié. Il a versé sa sang 7 reprises. Il a été enseveli. Et le 3e jour, il est ressuscité. Et 40 jours plus tard, il est monté. Et 10 jours plus tard, 50e jour, Pentecôte, il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a bouclé la boucle, l'œuvre achevée de Christ. C'est le message de l'évangile. Ce n'est pas les chaussures du pasteur, ce n'est pas les voyages du pasteur. C'est l'œuvre achevée de Christ. Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et sa glorification. Tous les secrets de la prospérité, du bonheur, de la vie sont dans son œuvre à lui. Le sang de Jésus renferme tous les mystères de la bénédiction, de la guérison, de la délivrance, de la libération, de l'épanouissement, du bonheur, de la joie. C'est dans le sang de Jésus-Christ. Mais les hommes ne savent pas. Il faut le leur dire. Quelqu'un doit se lever. Il a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Mais s'ils entendent une bonne nouvelle, ça veut dire que leur vie doit changer. Et quelqu'un dit, amen. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ça c'est dans Matthieu 28. Enseignez-leur. Faites-en des disciples. Donc on a vu que la priorité de Dieu, un, c'est que les hommes rentrent dans le royaume. Ils doivent entrer dans le royaume. Quel royaume? Le royaume de Dieu. Si quelqu'un vient à ICC, ça ne veut rien dire. Il n'est pas pour autant sauvé. Non, tu viens à ICC, tu dois entrer dans le royaume. Si tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu, tu es encore dans le royaume des ténèbres. Tu es dans
un royaume ou dans un autre. Dans lequel es-tu? Jésus a dit dans Jean 3:3, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas d'abord né de nouveau. Tout commence par la nouvelle naissance. Notre travail quand nous sortons, quand nous allons évangéliser, quand nous allons témoigner Christ, quel est le but? Faire que les hommes quittent le royaume des ténèbres, qui rentrent dans le royaume de Dieu. Ils reconnaissent Jésus et leur Seigneur, ils confessent de leur bouche, ils croient dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alors ils sont sauvés, ils viennent de naître dans le royaume. Leur esprit est totalement changé. Oh, gloire à Jésus qui fait ces choses par le Saint-Esprit. Dis-moi un bon amen. Et ICC, Brazzaville, Dieu nous appelle plus que jamais. Il a commencé depuis quelques années. Mais là, cette année 2019, c'est vraiment l'année de l'accroissement de la missiologie, du sens missionnaire de l'église Impact Centre Chrétien. Une église qui est en mission. Une église composée non pas de chrétiens, mais d'ambassadeurs. Des ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires du gouvernement de Dieu. Qui vont partout sur la terre dans le but de gagner le maximum d'âmes à Christ. Qui n'ont pas honte de savoir, qui n'ont pas honte de descendre sur le terrain, d'aller gagner le maximum d'âmes. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Dieu a parlé par la bouche de l'apôtre Paul. Mais ce que Paul disait ne concernait pas que Paul. Paul était en train de parler par le Saint-Esprit à chaque croyant. Quand on dit hier, il y a eu sortie des gagnants d'âmes. Il y a quelqu'un qui se dit, ah, c'était les gagnants d'âmes. Gloire à Dieu. Non, gagnants d'âmes, ce n'est pas une catégorie de personnes. Gagnants d'âmes, c'est ceux qui ont cru qui doivent devenir des gagnants d'âmes. Sauveurs pour les autres. Toi, tu es là, tu es sauvé. Mais d'autres ne sont pas sauvés. C'est de l'égoïsme de penser qu'à toi. Beaucoup ne sont pas sauvés. Et ils doivent être sauvés. Quelqu'un doit aller les chercher. Certains viendront à l'église, d'autres ne viendront pas à l'église. L'église doit aller les chercher. Quelqu'un dit amen. Pour la dire, je reviens dessus dans 1 Corinthiens 9, verset 16. Écoute bien, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Si j'évangélise, si je témoigne de Christ, si je parle de ce que Jésus a fait, si je parle de son œuvre, ce n'est pas pour ma fierté, pas pour me vanter, non. Mais c'est pour moi une nécessité. C'est indispensable que je le fasse. La nécessité m'en est imposée. Je suis né de nouveau. Je dois évangéliser. Je dois évangéliser. Je dois témoigner Christ. Je dois parler de Christ, de son œuvre. Je dois dire aux gens ce que Jésus est. Je dois témoigner ce que Jésus est. Si je ne sais pas parler, je dois me les inviter. Je dois me prier pour eux. Mais quelqu'un doit être sauvé au travers de ta vie et de ma vie. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Honte à moi. Quelle tristesse. Le glorieux Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, est venu habiter en moi pour me rendre capable de poursuivre le travail de Jésus. Et je suis à la maison. On dit sortir des gagnants d'âme. Je suis à la maison. Ah, samedi matin. Ah, grâce matinée. Ah, je veux faire des croissants avec une omelette. Il faut gagner des âmes. Il faut sortir. Et là, ah, samedi matin, allez faire mes cheveux. Les cheveux, c'est après. Je sais que tu n'aimes pas ce message. Dis-moi ton voisin. Et je m'en fous. Enfin, je m'en moque. Dieu aussi s'en moque. Il veut que tu entendes. Il y a des choses que tu dois entendre. Ouais, dis amen et je continue. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Est-ce que tu es en train d'évangéliser toi? Nous allons vers la fin du mois de mars. 3 mois depuis que l'année a commencé. Combien d'âmes as-tu évangélisé? Combien d'âmes sont rentrées dans le royaume? Nous sommes appelés des ambassadeurs. À être des hommes et des femmes qui enfantent des âmes dans le royaume. On les tire du monde des ténèbres. On les emmène dans le royaume de lumière. Dans le royaume de Dieu. Combien d'âmes ont été sauvées par toi? Combien d'âmes ont été gagnées par toi? Pour combien d'âmes as-tu prié? Même si tu n'en as gagné aucune. Pour combien d'âmes t'es-tu mis à prier les âmes dans ta ruelle? Dans ton quartier, dans ta ville de Brazzaville. Combien de fois tu as prié que les âmes soient sauvées? Seigneur, il tente ta main. Ah, mais je ne sais pas prier. À midi en prière, on ne fait que ça. À matin en prière, on ne fait que ça. Les vendredis soirs, on ne fait que ça. À la tour de prière, on ne fait que ça. Toi, tu n'apprends toujours pas à prier. Tu n'as pas envie d'apprendre. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'apprendre. Ils ne peuvent pas faire d'efforts. Est-ce qu'on peut continuer? Non, ne perds pas ton sourire. Hein. T'inquiète pas, on est ensemble. Hein. Moi aussi, tu me bastonnes. Après, je viens te parler, moi aussi. Voilà. Quelqu'un dit amen et je continue. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, si je n'évangélise pas. Au verset 19, il dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, Paul était un homme libre. Est-ce que tu sais que des fois ta liberté peut devenir un obstacle à la croissance de l'évangile?
Ah ouais, mais moi je fais ce que je veux, hein. Je suis libre, hein, de mes mouvements. Oui, tu es libre. Mais Paul a dit, bien que je sois libre, je me suis rendu le serviteur de tous. Moi aussi je suis libre, mais je ne suis pas toujours libre. La liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut. La vraie liberté, c'est de faire ce que Dieu veut faire, Dieu veut qu'on veut. C'est de faire le plaisir du cœur de Dieu. J'aurais pu faire ça, finalement, je vais aller gagner les âmes. Oh, quelqu'un dit amen. Je voulais aller faire telle chose, ça va attendre. Je vais aller d'abord faire la volonté, le royaume d'âme. Cherchez d'abord les intérêts du royaume. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. On cherche d'abord les intérêts du royaume. Et dans le royaume, la priorité numéro un, c'est les âmes. Dieu n'est pas mort pour le Congo. Dieu est mort pour les habitants du Congo. Dieu est mort pour les habitants des nations. Quelqu'un me dit amen. Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Jésus n'a pas gagné tout le monde. Tu ne pourras pas gagner tout le monde, mais tu peux gagner le plus grand nombre. Il y a des âmes que Dieu veut gagner par toi. Le glorieux Saint-Esprit habite en toi. Il y a des gens qui veulent toucher par toi. Il veut toucher par toi. Il y en a qui ont le potentiel de toucher une personne. Touche-les. Sauve-les. Témoigne-les. Invite-les. Prie pour eux. Il y en a qui peuvent gagner beaucoup plus. 100, 200, 1000. Touche-les. Tout le monde n'a pas la même capacité. Mais tout le monde peut faire le travail. Quelqu'un me dit amen. Verset 22, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver par tous les moyens quelques-uns. Mon frère, cette année, ce qui nous motive, c'est l'opération par tous les moyens. Par tous les moyens, il faut sauver des âmes. Par quoi? Tous les moyens. Par tous les moyens. Il faut les sauver. Les gens ne savent pas. Ils sont prisonniers. Ils ne savent pas. Prisonniers de l'alcool, de la drogue, des femmes, du sexe, de l'argent, de l'idolâtrie. Ils ne savent pas. Ils sont, toi et moi, nous étions morts. Eux aussi, ils sont morts, mais ils ne le savent pas. Les morts ne savent pas toujours qu'ils sont morts. Mais c'est quand ils voient quelqu'un qui est bien vivant, ils disent, oh, mais finalement, il y a une autre vie qui est possible. Oui, c'est ça qu'ils veulent. Mais pour ça, quelqu'un doit leur dire, quelqu'un doit leur montrer. Il faut aller vers eux. Combien d'âmes tu as gagné pour Christ, pour le royaume? Est-ce que Dieu peut dire, ah, à travers cette femme, cet homme, mon fils, ma fille, j'ai pu agrandir ma famille? Qu'est-ce que Dieu veut? Gagner le maximum d'âmes par tous les moyens. Dans le bus, par tous les moyens. En marchant, par tous les moyens. À partir du mois d'avril, l'église va sortir par tous les moyens, dans le but de rapporter par tous les moyens des âmes. La sortie d'hier, c'était juste, le Seigneur m'a dit, tu sors. Hier, j'étais fatigué, mon corps était fatigué. Il m'a dit, tu sors. J'ai dit, Seigneur, à vos ordres. Moi, si j'étais libre, je suis sorti hier. Avec les gagnants d'âme, on est sorti. Même s'il y avait une seule âme qui avait été sauvée. Yes, ça fait mon affaire. Jésus a traversé, il a mis en péril, en danger la vie de plusieurs disciples juste pour aller sauver un homme qu'on appelle le fou de Gadara. Mais ce fou de Gadara est un homme qui a transformé 10 villes, 10 grandes villes. Cet homme a transformé dans l'histoire de l'église. L'homme que Jésus a gagné de l'autre côté à Gadara, possédé de démons. Oh, hier c'était magique avec le pasteur Josh. C'était magnifique. On chassait des démons. J'ai dit, hey, personne ne tombe ici. Hein. Si quelqu'un tombe dans la rue, on va dire que c'est des sorciers. Le démon sortait. Il sortait. Maladie partait. Il partait. Hein, pasteur Josh? On a dit, yes. Quand tu es en mission, c'est comme le pouvoir augmente encore. L'autorité augmente. ICC. Si tu dis ICC, tu vas en mission, n'aie peur de rien. Aucun diable ne pourra s'opposer à nous. Il va commencer par où? Il va dire, Mangunga, dégage! Nous sommes venus ici en manteau de. Nous sommes les ambassadeurs. Envoyés par le gouvernement des cieux. Pour gagner les âmes à Jésus, les faire entrer. Papa a besoin de ses enfants. Allez, quota, quota, libérez, libérez, libérez. Ça, il faut sortir. Il ne faut pas rester, il faut sortir. Bon, je vais te poser une question qui va te fâcher un peu. Tu étais où hier? Ne réponds surtout pas. Tu seras où la prochaine fois? Là, tu peux dire, je serai là. Si c'est à toi que je peux donner, meilleur amen. Il faut sauver par tous les moyens. Rien n'est plus important pour le cœur de Dieu que de sauver les âmes. Rien. On peut faire tout ce qu'on veut, la lumière, la décoration, ça, ça fait plaisir à nous. Je préfère être pasteur dans une église où il y a 4 morceaux de bois avec un toit. Nous, on gagne les âmes. Que d'être ici dans une église où il y a beaucoup de confort, mais il n'y a pas d'âme. Bientôt, on sera débordé. On sera débordé. Pourquoi?
parce que Dieu veut que son peuple, sa famille soit remplie. Pas pour le plaisir d'un homme, pour le plaisir du cœur de papa. Oh, quelqu'un me dit amen. Je vous répète que notre objectif, quand on sort, c'est pas d'aller parler du ICC, c'est de faire rentrer des gens dans le royaume. Papa vous attend, le Père vous attend. Et ils disent, oh, on attendait que cela. On ne sait pas comment faire. Beaucoup ne viendront pas à l'église. L'église doit aller vers eux. Tu dois aller vers eux. Pourquoi aller vers eux? Parce que les portes du royaume sont ouvertes. Et Satan s'oppose avec beaucoup de violence. Satan s'acharne pour que les gens ne entrent pas dans le royaume. Et Dieu dit, mais ils doivent rentrer. Et il compte sur ses enfants. Il compte sur toi, il compte sur moi. Et Satan fait beaucoup d'efforts pour les hommes, que les hommes ne rentrent pas. Et faites attention parce que les portes du royaume sont étroites. Il a dit Jésus dans Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Par la porte comment? Étroite. Car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y a une porte qui mène à la perdition. À la damnation, la condamnation éternelle. Et cette porte-là, elle est large. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrée est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y en a peu qui y rentrent. Il y en a très peu qui rentrent. Il faut aller chercher les peu là. Si nous sommes peu, allons chercher les autres peu qui doivent rentrer. Satan fait beaucoup de choses que les gens soient perdus. Les gens meurent tous les jours dans notre pays. Tous les jours dans le monde, les gens meurent. Mais ils ne sont pas rentrés dans le royaume. Ils vont connaître ce qu'on appelle la seconde mort, la mort éternelle. Non, c'est ma responsabilité, c'est la tienne d'aller les sauver de la perdition. Si c'est à toi que je parle, dis amen. Les gens sont en train de se... Il y a une porte. Chaque pays a des portes. Chaque pays a des frontières. Il y a des portes d'entrée dans le pays. Le royaume de Dieu aussi a ses portes. Et on doit rentrer. Le Père veut qu'on rentre, que tous les hommes de la terre rentrent dans le royaume. Par le sang de Christ, ils doivent rentrer dans le royaume. Satan dit, ils ne rentreront pas. Alors allez là-bas, là-bas, allez là-bas, là-bas. Non, il dit non, ils doivent rentrer dans le royaume. Dans Luc chapitre 13, au verset 23, un jour, quelqu'un dit au Seigneur, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Est-ce qu'il n'y a que peu de gens qui soient sauvés? Écoutez la réponse prophétique du Seigneur. Jésus, la parole de Dieu parle. Il dit, Jésus leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est-à-dire, la version d'Arby dit, luttez, battez-vous pour entrer par la porte. C'est pas, ah la porte est ouverte, hein, je vais arriver quand je voudrais, je vais donner ma vie au Seigneur. Mon ami, la porte elle est étroite. C'est pas une porte qui est large, elle est étroite. La porte de la perdition elle est large. Il dit, luttez pour entrer par la porte qui est étroite. Écoutez ce que le Seigneur dit, ce qu'il dit là va arriver. De toute manière, tout ce que Jésus a dit est arrivé. Ce qui n'est pas encore arrivé, va arriver. Il dit, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous, étant dehors, il se sera levé, il aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, oh, Fongola Biso, Fungula, ouvre la porte, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous êtes. Nebibinote, Mumezab Beneve, I don't know you. Yonanga, il n'y a pas de relation, je ne te connais pas. Alors, vous vous mettrez à dire, oh, comment tu ne me connais pas? Nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues, quand même, Seigneur, on a mangé avec toi. Ce n'est pas parce que tu vis à ICC que tu es né de nouveau. Être à ICC ne veut pas dire être dans le royaume. Dieu ne veut pas des gens qui sont dans des églises, il veut d'abord des gens qui sont dans le royaume. Ils entrent dans le royaume. Et dans le livre de naissance qui est dans le ciel, on dit, ah, il est rentré. C'est un enfant de Dieu maintenant. Bienvenue dans la maison de ton père. Mais ils peuvent aller à l'église tous les jours, ça ne veut rien dire. Ils doivent entrer dans le royaume. Et quelqu'un doit les enfanter pour qu'ils entrent dans le royaume. Si quelqu'un me suit, dit amen et je continue. Nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. Faites attention. Il dit, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers du mal. C'est là qu'il y aura des pleurs
et des grincements de dents. La version grecque veut dire des regrets amers ou de profonds regrets. Mon frère, Jésus lui-même dit, le temps va venir. Ce n'est pas ce qu'il souhaite, c'est qu'il sait que ça va venir. Il y a toujours dans l'église des plaisantins. Seigneur, tu es, amen, plus précieux. Oui, tu dis, mais est-ce que tu l'es? Pas parce que tu côtoies les chrétiens que tu es chrétien. Pas parce que tu côtoies les Américains que tu es américain. Tu peux même chanter en américain. Oh yes, my Jesus, love me. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé, tu es né de nouveau. Ça veut juste dire que tu as une belle voix. Et ta voix, on s'en moque. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que tu rentres dans le royaume? Est-ce que tu marches dans le royaume? Est-ce que tu peux faire entrer les autres aussi dans le royaume? C'est ça qu'on veut. Yes, Jesus, love me. On s'en moque. Il y a beaucoup de perdus qui chantent yes, Jesus, et même des homosexuels. Oh, Jesus. Je ferme la parenthèse. Si tu es homosexuel, sois délivré ce matin au nom de Jésus, si tu me souviens. De quoi ces histoires-là? Ouvrier d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Je ne sais pas d'où vous êtes. Ça veut simplement dire que je ne te connais pas. Oh, mais Seigneur, j'étais avec toi, non? Oui, j'entendais tes prières. Seigneur, donne-moi le mari, donne-moi les enfants, donne-moi le travail. Dès qu'elle a donné, Seigneur, au revoir. Dès qu'elle perd le travail, Seigneur, j'ai perdu le travail, redonne-moi le travail encore. Comme Dieu, il est bon, bon, parfois, pas toujours, hein. Des fois, il est bon. Donc, il donne. Dieu est toujours bon. Donc, des fois, il donne. Et puis, tu repars. Mais, j'étais dans le travail, non? Oui, mais là, je dois aller à Dubaï, là. Le culte du dimanche, là, c'est pas possible, Seigneur, c'est trop tôt. Faut partir. Un jour, on te dit, mais toi et moi, on ne se connaît pas. Quand tu me priais, j'entendais tes prières. Donne-moi, donne-moi. Tu ne m'as jamais dit, donne-moi toi. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi, fais-moi, rends-moi capable de faire ta volonté. Rends-moi capable de t'aimer. Jamais tu n'as dit ça à Dieu. Non, non, ne te fâche pas, non. Quand il faut dire à Dieu, Seigneur, fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer. Je veux aimer Dieu. Je veux plaire à Dieu. Je veux connaître Dieu. Je veux réjouir le cœur de Dieu. Car ta nous vie, malgré mes erreurs, malgré mes fautes, malgré mes manquements, Dieu sait que je vis pour le plaisir de son cœur. Si je ne peux pas plaire à Dieu, alors je peux faire mourir. Si je ne peux pas plaire à Dieu, je vais mourir. Mourir. À quoi ça sert de vivre si ce n'est pas pour plaire à son Père? Il nous a tellement aimés, franchement. Il est tellement digne d'être aimé. Il est tellement digne qu'on l'honore. Je refuse de vivre une vie qui ne l'honore pas. Je refuse. Je refuse. Il dit dans ce jour-là, il y aura des pleurs. Et des grincements de dents. Oh, 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 si j'avais su. Oh, si je savais. Oh, Seigneur. Trop tard. La porte est fermée. Il sera trop tard. La porte sera fermée. Jetez-les dehors. Oh, et là, il parle des gens qui croyaient le connaître. Donc, il y en a qui vont être surpris. Tu chantais tous les jours, mais tu vas être surpris. Mon frère, ton salut là est trop important que tu le prennes à la légère. Prends ton salut au sérieux et une fois que tu es sauvé, occupe-toi de sauver les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Dis amen. Ça ne t'arrivera pas. Oh non, tu ne dois pas être chassé dehors. Là, il parle des gens qui se pensaient sauvés, mais qui n'étaient pas sauvés. Fais attention aux immigrés d'église en église. Je vais à ICC, je vais à telle autre église. Ce n'est pas toi qu'on cherche. Nous, on cherche des gens qui sont perdus, qui ne connaissent pas Jésus, ou qui connaissaient Jésus, qui ont perdu la foi, que Satan a ramené dans le monde. C'est pour eux qu'on sort. C'est pour eux qu'on fait des efforts. On travaille avec Dieu. Le Père travaille avec ses enfants. Il dit, Yves, mon fils, tu descends dans les rues. Je dis, oui, Seigneur, allons-y. C'est ça que Dieu fait. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. Allez, c'est servir le Christ. Donc, quand tu es en mission là, d'évangélisation, mon ami, le ciel te dit, on te soutient. Les anges disent, tu es en train de faire la mission du Père. Tu es un serviteur. Tu es... Mais quand tu dis, tu n'aimes même pas gagner des âmes. Ton cœur ne bat même pas pour les âmes. Toi, ton cœur bat pour les offrandes. Pas toi, mais il y a des gens comme ça.
Je suis l'archibishop, apôtre ressuscité, prophète des nations, majeur, seigneur et mineur. Moi, l'homme du moment, l'homme de l'onction, homme de Dieu. Même ta démarche change. Mon frère, ce jour-là, il y aura des pleurs. Il y aura des regrets amers. Tu as pris ton salut à la légère. Et tu as pris le salut des autres aussi à la légère. Mon frère, le prophète ne pas avoir de titre, mais servir Dieu en gagnant les âmes. Enlever le titre de pasteur. Moi, je vais dans la rue là-bas, ce n'est pas comme pasteur, hein. C'est comme gagneur d'âme. C'est mon ADN. Pourquoi tu fais ça? Jésus le faisait. Jésus, l'or et l'argent lui appartient. Il gagnait les âmes, je gagne les âmes. Est-ce que la prochaine sortie d'évangélisation, on pourra compter sur toi? Est-ce que la prochaine sortie de gagnant d'âme, on pourra compter sur toi? Si c'est à toi que je te pardonne, un meilleur amen pour toi-même. Il nous a dit qu'il faut aller gagner les âmes. Mais à gagner les âmes, mais quelle âme? Ta famille, tes proches, tes amis. Ce sont les premières personnes que Dieu sauve d'abord. Quand il t'a sauvé, rappelle-toi de Corneille. On en a parlé depuis 2 semaines. Corneille, on en a parlé. André, Philippe, Barthélemy, on en a parlé. Quand Dieu te gagne toi, il veut que tu commences à t'occuper du salut des autres aussi. Comment? 1, tu pries pour eux. 2, tu les témoignes. S'ils ne t'écoutent pas, tu pries seulement. S'ils ne t'écoutent pas, tu pries encore. Tôt ou tard, ils écouteront. S'ils n'écoutent pas, bon, au moins tu as fait ta part. Quelqu'un me dit amen et je continue. Tu as des parents, tu as des amis, tu as des proches. Personne n'a des parents pour rien. Personne n'a des proches pour rien. Tu as des amis pour rien. Le dimanche matin, tu te lèves gaillardement, tu vas à l'église. Non, est-ce que tu n'aurais pas pu emmener quelqu'un d'autre? Pas pu tirer quelqu'un d'autre. Opération André, il faut tirer les gens par tous les moyens. Donne un flyer, donne une invitation. Dis, je t'invite à l'église dimanche, viens dimanche. Et quand il viendra, il va entendre la parole, il sera sauvé. Dans le registre du ciel, on va dire, la sage-femme qui l'a enfantée, la co-sage-femme, c'était la sœur Intel, le frère Intel. On registrait son nom, serviteur du Dieu très haut, serviteur du royaume. Oh, quelqu'un comprend cette parole, dit amen. C'est ça. Tu as des parents qui t'attendent. Tu n'es pas sauvé par hasard. Tu es content d'être sauvé. Mais les autres ne sont pas sauvés. Prie pour eux. Je prie pour mes parents. Je prie pour mes frères, pour mes nièces, pour mes oncles. Oh Seigneur, sauve-les et tends ta main. Que la puissance du malin qui les empêche de se tourner vers toi soit brisée. Seigneur, sauve-les. Seigneur, attire-les. Et puis après maintenant, tu parles. Tu l'as vu, tu es venu dans mon église ce dimanche. Ton église, bon, je vais quand même venir. Puis quand il vient, il est touché. Tu sais combien de gens me disent tous les jours, toutes les semaines, oh, pasteur, je vous demande pardon. Je vous ai tellement critiqué. J'ai dit que vous étiez franc-maçon, maçon franc. J'ai dit, mon frère, dis-moi tout ce que tu veux. Si tu vois un maçon franc ou tout ce que tu veux, aller dans les rues, témoigner de Jésus, alors ça veut dire que le monde pour moi est en train de changer. Témoigner Jésus le Christ. Donc les premières personnes que tu dois gagner, ce sont tes amis, ta famille, tes proches. Et là, tu me réponds, amen. La deuxième catégorie, je vais terminer par ça. Ce sont ceux que tu ne connais pas. Il y a des gens que tu ne connais pas. Est-ce que tu crois que Jésus connaissait tout le monde? Non. Mais Jésus allait de ville en ville, de village en village. Il sillonnait les rues. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc il y a des gens que tu ne connais pas. Et toi, tu dis, ah mais comme je ne les connais pas, je ne peux pas parler. Faux! Erreur, grosse erreur. Dieu veut que tu gagnes tout le monde. Quelqu'un dit amen et je continue. Dans le livre de Luc, chapitre 14, quelqu'un dit au Seigneur Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Il pensait bien faire. Jésus dit, petit bas la terre, je vais t'expliquer quelque chose. Et là maintenant, Jésus raconte une espèce de parabole. Il raconte un mystère. Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas. Et il invita beaucoup de gens. Le mot beaucoup en grec veut dire pollu, c'est-à-dire la majorité de gens. Dis avec moi la majorité. Il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, est-ce qu'il y a des serviteurs qui veulent servir de tout leur cœur? Si c'est ton cas, dis amen. Donc il parle de ces serviteurs qui vont aller annoncer aux invités à l'extérieur que le repas est prêt. Il dit, est-ce qu'il y a des serviteurs dans ce lieu ce matin? Ou est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu dans ce lieu ce matin? Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu dans son humanité ce matin? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gagneurs d'âme pour le royaume de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a des ambassadeurs du ciel ce matin? Oh, la qualité de ton amen détermine la qualité de la grâce d'ambassadeur qui est sur toi. Oh! C'est le plus beau métier du monde. Ambassadeur de Christ. Représentant personnel du royaume de Dieu sur la terre. Fils du Dieu très haut, envoyé sur la terre pour
gagner le monde à Christ Jésus. Tu as raté une bonne occasion de me dire Amen. Moi-même, je dis Amen. Il invita beaucoup de gens, la majorité. Et à l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. Venez, car tout est accompli. Venez dans le royaume de Dieu, car le prix a été payé. Venez, sortez du monde des ténèbres, car Jésus a versé son sang pour délivrer les hommes des maladies générationnelles, des maladies héréditaires, des blocages, des échecs répétitifs, de toutes les formes de malédiction. Venez, le prix a été payé. Venez, la rançon a été payée. Laquelle ? Le sang précieux de Jésus le Christ est la réponse. Venez, tout est prêt. Venez dans le royaume. Venez à Christ. Il est le sauveur, car rien de salut en aucun autre. Il n'y a sur le terre, il n'y a sur le ciel et sur la terre aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lesquels ils peuvent être sauvés. Il y a un seul nom, c'est Jésus, et c'est Jésus le Christ seul. Et la religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Un seul est le sauveur, Jésus de Nazareth le Christ. Un seul a versé son sang, pas la mère, pas les frères, mais Jésus de Nazareth le Messie. Venez! Allez leur dire que Jésus est mort. Venez! C'est ça le message. Venez! Et tout est prêt. Tu n'as rien à faire. On te dit de venir seulement. Crois que le repas est prêt. Tout est accompli. Jean 19, verset 30. Sur la croix, tout est. Ce cri résonne dans le monde des ténèbres. Ils résonnent sur la terre. Mais les ténèbres, non. Il ne faut pas qu'ils se comprennent ce que ça veut dire. Nous avons compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que le pouvoir qui était dans les mains du diable a changé de camp. Il est maintenant revenu dans les mains de la nouvelle création. Il nous a donné pouvoir et autorité de soumettre les ennemis d'hier. Cette année pour toi, c'est une année de grâce exceptionnelle. Quand tu comprends ces choses, Satan ne peut pas te tourmenter. Hé, démon, tu veux tourmenter qui? Tu fais un cauchemar. Tu dis, Seigneur, je transpire. Dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de me rendormir. Laisse le cauchemar se terminer. Avec la conscience du sang versé pour moi, je reviens dans le songe. Tu es où, démon? Tu rentres chez moi. Tu ne sortiras pas de ma maison. Tu rentres chez moi, tu ne sors plus. Tu es mon prisonnier. Et je commande le jugement par le feu. Le feu! Aïe, aïe, aïe! Laisse-moi partir. Tu ne partiras plus. Il y a des maisons dans lesquelles on ne rentre pas. Tu rentres chez les gens de ICC. Tu ne sortiras pas. Donc, oh, dis un mot, amen! Le feu dont je te parle là, c'est ce qui sera dans ta maison contre tes ennemis. Comment? Est-ce qu'on peut continuer? Il envoie ses serviteurs. Nous sommes des serviteurs, nous ne sommes pas n'importe qui. C'est-à-dire, nous sommes des ministres. Ne t'occupe pas des gens. Ah, je suis ministre du gouvernement du Congo. Non, ça ne veut rien dire. C'est bien, mais c'est petit. Moi, mon gouvernement ne passera jamais. D'éternité, c'est-à-dire, d'éternité, on est. Ça veut dire au siècle des siècles, de génération en génération, d'âge en âge. Il est Dieu et il ne change pas. Tu es son représentant, je suis son ministre. Je croyais que tu allais me donner un bon amen pour toi-même. Moi, je ne comprends pas. Pasteur Marcel, les gens se battent pour être ministre. Oh, je vais être ministre. Laissez-moi, je vais être nommé. Toi, tu as été nommé par la seule grâce de Dieu. Tu as été nommé. Tu as été déclaré fils de Dieu avec puissance, comme ton grand frère Jésus le Christ. Mais tu dois en être fier. Si quelqu'un est fier, dis amen. Ah! Moi, je me tiens devant vous, hein. Je suis un ambassadeur. Ne blaguez pas avec moi. Hein. Qui va blaguer avec moi? Je suis un ambassadeur du ciel. Je représente le chef du gouvernement de l'univers. Son nom, c'est quoi? Son nom est la parole de Dieu. Il juge avec justice. Il combat avec équité. Et quand il s'engage dans une bataille, lui, il gagne toujours. On l'appelle aussi le triomphateur. On l'appelle l'étoile brillante du matin. On l'appelle le vainqueur des nations. Son nom est Jésus de Nazareth, le Christ. Que ceux qui l'aiment donnent un amen en son honneur. Voilà. Mon frère, quand je dis tu réponds amen là, ne t'occupe pas de ton voisin. Hein.
Il y en a qui ne sont pas habitués encore. Ils n'ont pas compris que quand Dieu est présent, on doit pousser des cris de triomphe. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas les cris. Ils disent non, moi je suis timide. Mon ami, timidité ou pas là, nous dans sa présence là, il n'y a pas de. Il dit pousser des cris. C'est pas amen. Comment? Est-ce qu'il y a des lions ici? Quand on est né de nouveau, on a au moins deux statuts. Agneau et lion. Tel il est, tel nous sommes. Il est l'agneau de Dieu. Donc je suis un agneau, je suis calme. On faut être calme. On doit chercher l'humilité, la simplicité, le calme, la discrétion. Ça c'est l'agneau. Mais quand tu me provoques, le lion va répondre. Le lion va répondre. Je suis le descendant du lion de la tribu de Judas. Et le lion il rugit. Donnez amen de lion ici. Ça c'est le rugissement des lions. Est-ce qu'il y a des lions dans ce lieu? Pendant que tu es en train de dire amen là, la grâce du lion vient sur toi. Rababo sekataya. Donc on ne touche pas aux envoyés. Nous sommes des envoyés, des serviteurs du Dieu très haut. On ne plaque pas avec nous. Tu me touches, tu touches à celui qui m'a envoyé. Nous sommes des pierres vivantes. Tu tombes sur nous, tu t'écrases. Nous tombons sur toi, tu t'écrases. Ta seule option c'est laisse quand tu me vois, dégage, dégage, recule. Que les lions fassent du bruit de lion. Cette semaine, si un démon t'apparaît, tu dis viens. Par le sang de Jésus, viens. Et par le sang de Jésus, je te condamne. Il y a quelqu'un ici, le diable va arrêter de jouer avec toi. Il va arrêter de jouer avec toi. Même les esprits de famille vont dire, bon, là où il va, ici c'est là-bas, il entend trop de choses bizarres. Ici on t'apprend ta liberté en Jésus-Christ. Pas ta dépendance du pasteur, mais ta liberté en Jésus-Christ. Je ne serai pas partout, mais le Saint-Esprit qui est en toi est partout. Il est avec toi partout. Oh, dis en le nom de l'Esprit, donne un bon amen en son honneur. Gloire à Jésus. Alors je continue, asseyez-vous, je n'ai pas terminé, je continue bientôt, je suis en train d'atterrir. Luc 14, verset 18. Il envoyait, il dit, venez car tout est prêt. Dis avec moi, tout est déjà prêt. Tout est accompli. Non, ne chante pas. C'est ça, ça veut dire. Non. Hey, calmez-vous. Quand on dit tout est déjà prêt, c'est ça que ça veut dire. Tout est accompli. Tout est accompli. Il a triomphé. Il a vaincu. Tout est accompli. Tout est déjà prêt. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Amen. Ok, je dois terminer. Je dois terminer, asseyez-vous. Je dois terminer. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose de Dieu ce matin? Donc tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Tout est prêt. C'est fini. Le cas de Satan était réglé. Il a été désarmé par le sang de Jésus. Par le sang. Il faut être fier du pouvoir du sang que ton grand frère a versé pour toi. Oh, j'arrive même pas à avancer. Tout est déjà prêt. Allez leur dire, venez. Tout est prêt. Mais, verset 18, tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Là, il faut que tu suives. Il te dit ce qui va se passer dans certains cas, quand on va témoigner. Le premier dit, j'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Lui, c'est un homme d'affaires, parce qu'un champ, ce n'est pas tout le monde. C'est pour les riches. Donc, il est tellement riche. Viens, Jésus a tout accompli. Excusez-moi. Non, j'ai du business là. Il faut que j'aille à Dubaï, Guangzhou, Hong Kong, Pékin, Paris. Je fais des affaires.
excuse-moi, je ne peux pas. Ton Jésus là, tout est accompli là. Il n'y a pas de problème. Le deuxième lui dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Lui aussi, c'est un commerçant. 5 paires de bœufs, waouh, avec ça tu peux nourrir. Mais tu peux nourrir et nourrir tout un village, toute une communauté. Donc ça encore, c'est un grand commerçant. Dis amen et je continue. C'est des gens qui sont aisés, des gens qui sont assez fortunés, des gens qui ont de bons moyens. Et le troisième, il dit un autre encore, dit, je viens de me marier. Je ne peux pas aller, c'est le mariage. Alléluia, la robe, la limousine, la Mercedes. J'en ai vu beaucoup comme ça. Et 2 ans après, il n'y a plus rien. On a vu des beaux mariages. Oh, vive les mariés. Et puis après, c'était, où sont les mariés? Misérable. Les gens qui aiment les loisirs, ils aiment les fêtes, ils aiment les grandes cérémonies. Il n'y a rien, il n'y a rien. On leur parle de Christ, ils disent, non, pasteur, je veux me marier. Il y a une amie qui m'a dit, mais moi, je suis dans le commerce. Quand on est sorti hier, là. Ah, mais moi, je ne peux pas venir à l'église, moi, j'ai mon commerce. Il dit, toi, tu as le commerce, tu sais qui je suis. C'est à moi que tu viens parler de ton commerce. Honte-moi qui va plus clair. Il faut te calmer. Hein. Je suis descendu sur le terrain pour aller parler de ce que tu as occupé. Je le dis en toute humilité. Tu penses que c'est un pauvre type qui est sur la rue? C'est un homme béni de Dieu. Je t'apporte la bénédiction, toi tu me dis, moi je suis occupé. Franchement. Elle a dit, oh, c'est le pasteur. Le pasteur, Castanou. Oh, vous faites quoi là? Il dit, mon ami, ici il n'y a pas de pasteur, ici il n'y a que des gagnants d'âme. Quelqu'un dit amen. Verset 21. Le serviteur retourna. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, comme il a vu que les gens nobles ne voulaient pas, Dieu s'irrite. Il dit, ah bon, vous ne voulez pas. Vous êtes tellement dans vos zones de confort. Mais ce n'est pas fini. C'était juste la première catégorie. Deuxième catégorie. Le maître irrité dit à son serviteur, pars, va, vite, promptement. Mais va où? Dans les places publiques, dans les rues de la ville. Et emmène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Emmène qui? Va chercher les pauvres. Vous voulez faire une église avec les riches? Ça ne marchera jamais. Il n'y a pas d'église des riches. Si c'est une église des riches, je quitte l'église des riches. Il y a une église de tout le monde. Et quand les pauvres deviennent riches. C'est ce que Dieu va faire pour toi. Le miracle de Dieu, il prend des gens qui ne sont rien. Des gens qu'on ne considère même pas. Et il en fait des gens remplis de l'esprit. On dit, oh, où sont les hommes d'affaires? Je vous dis, pasteur Karemri a dit le jour de la dédicace, de cette église sortiront des politiciens, des hommes d'affaires, des commerçants qui vont impacter ce pays pour la seule gloire de Jésus. Je vous dis, n'inquiétez pas, méprisez-nous, critiquez-nous. De cette famille spirituelle, tu vas sortir la crème de ce pays. Là, hein? Moi-même, je le dis. En tant que père de la famille, je le déclare et c'est ce que tu vas faire. Allez prendre les pauvres. Que tous les pauvres de Brazzaville viennent à ICC. Que tous les estropiés viennent à ICC. Les aveugles, ils vont guérir, envoyez-les. Vous dites, oh, mais je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'avant j'étais aveugle. Et maintenant je vois. Ils feront ici. Amenez les boiteux. Ils vont marcher par la puissance du Saint-Esprit. Bientôt les temps de puissance vont, les réunions de miracles vont commencer dans cette église. Ne vous inquiétez pas. Oh, quelqu'un me dit amen. Oh, on va aller faire les campagnes d'évangélisation dehors et dedans. C'est comme ça que Dieu va nous conduire. Mais enfin, allez prendre les aveugles, les boiteux. Pourquoi? Parce que Dieu les aime. Il y a des églises où on rejette les pauvres. Jamais. Ah, il n'y a pas de VIP. Il n'y a que Dieu. Il y a un frère qui est venu la première fois, il m'a dit, oh, j'étais choqué de voir que les sièges de devant sont pareils que tous les autres sièges. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Il dit, ah, moi je connais beaucoup d'églises où il y a des trônes. Je dis, non, moi, nous ici, on n'a pas de problème avec les trônes. Mais on n'est pas à l'aise avec les trônes. Nous, on est à l'aise avec les choses simples. Dis amen et je continue. Jésus les a envoyés dans les rues. Aller parler aux gens qui ne connaissent pas, aux inconnus, aux gens qu'on ne connaît pas. C'est ce qu'on a fait hier. C'est ce qu'on fait toujours.
on va voir des gens qu'on ne connaît pas. Des gens qu'on ne connaît pas, ni mon parent, ni ton parent, mais on va les voir. On ne sait même pas ce qu'on va dire. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. On va. Des fois, c'est bonjour. C'est pas, je suis l'ICC, ça ne veut rien dire. C'est bonjour. On cherche des opportunités par tous les moyens à les gagner à Christ. Par tous les moyens. Il y a pendant que je parlais, j'ai un gars qui m'écoutait. Je disais seulement, c'est debout, c'est par la grâce de Dieu. Vous êtes couché, c'est par la grâce de Dieu. Vous êtes assis, c'est par la grâce de Dieu. Je vais vous parler de ce Dieu qui fait grâce. Cette simple parole l'a touché. Je dis, oh, ah bon? Ce qui pour toi a l'air anodin, habituel, pour eux. Une simple parole l'a touché. Il dit, je viendrai à l'église. Je viendrai à l'église. On était à Mouni. Et puis on a prophétisé sur la route et sur le pont, et sur le rond-point. Cette route sera reconstruite. Ce rond-point doit être reconstruit. On a prophétisé. Et ça se fera. Ça se fera. Pourquoi? On a prophétisé, c'est fini. On a parlé, ça va se faire. Dis amen. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Le maître dit encore au serviteur, va encore dans les chemins, le long des haies. Et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Laisse les grandes rues, laisse les places publiques, va dans les chemins inconnus, dans les chemins, les routes des champs, dans les routes agricoles, dans les sentiers dans lesquels personne ne va. Va dans les villages reculés, là où il n'y a pas beaucoup de gens, mais il y a au moins quelqu'un qui est là-bas. Autrement dit, allez partout, il n'y a aucun endroit. Il y a les rues, il y a les places publiques, il y a les quartiers, c'est vrai. Mais aussi les villages là où personne ne va, il y a des routes là où personne ne va. Vous, allez là-bas, ce que tu trouveras, contrains-les. Fais-les rentrer dans ma maison. Dis-leur que tout est prêt. Dis amen. Trois remarques et je termine. Premièrement, comme le disait ce récit, cette parabole de Jésus, Dieu envoie une fois. Et quand le serviteur revient, c'est toi et moi. Il renvoie une deuxième fois. Quand il y en a qui ne t'écoutent pas, il te renvoie encore. D'autres t'attendent. Et quand il revient encore, il renvoie encore une troisième fois. Et une quatrième fois. Et une cinquième fois. Ça veut dire quoi? Dieu n'arrête jamais d'envoyer les serviteurs. Repartez. Ne faites pas une sortie une fois. Repartez. 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 Les gens ont besoin du Seigneur. Repartez encore. Insistez encore. Il établit une récurrence, une permanence, une continuité dans l'œuvre de l'évangélisation. Donc on ne doit pas évangéliser seulement une fois l'année ou une fois le trimestre. On doit évangéliser régulièrement. Régulièrement. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. C'est un travail permanent, un travail récurrent. Donc quand tu as raté cette sortie, ne rate pas les autres. Et quelqu'un dit amen. Deuxième remarque. Aux yeux de Dieu, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire des fois, mon frère, toutes les âmes ont la même valeur. Tout le monde a la même valeur. Personne n'est plus important qu'un autre. Je vous en supplie. Personne n'est plus important qu'un autre. Le boiteux est aussi important que le commerçant. L'aveugle est aussi important que le riche. Le pauvre est important comme le riche. Et d'ailleurs, Dieu va rendre les pauvres riches. Et il peut même appauvrir les riches pour les rendre pauvres. Qu'ils apprennent que toute grâce vient de Dieu. Oh, tu as raté une bonne occasion de dire amen. Ça montre aussi, deuxième remarque, que Dieu accorde beaucoup d'importance aux personnes vulnérables. Aux personnes dont la société ne fait aucun cas. Dieu en fait un cas. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Ne méprise personne. ICC, ne méprisons personne. Tu vois les gens venir ici à l'église, Dieu les attire. Ne méprise jamais quelqu'un. Ne jugez pas les gens selon les apparences. C'est une grosse folie. Jugez les gens selon le cœur de Dieu. Dieu appelle tout le monde. Réponds-moi un bon amen. Amen. Si tu vois un boiteux, sois content. C'est Dieu qui l'a invité. Si tu vois un pauvre mal habillé qui sont mauvais, sois content. C'est Dieu qui l'a invité. Dieu aime tout le monde. Quelqu'un a raté une bonne occasion de dire amen. La troisième remarque, la priorité de Dieu, c'est que sa maison doit être remplie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Il veut que le monde entier soit sauvé. Que les hommes du monde entier soient sauvés. Et cette responsabilité, elle passe par toi. Allez, dans les rues, allez. Mais on va aller voir qui, on ne les connaît pas. C'est pas grave, alors. Et on a chassé les démons. J'étais content. J'allais dégager de vie.
pour les tourmenter pour rien. Dégagez. La récréation est terminée. C'est magnifique. La grâce de Dieu va nous accompagner chaque fois que nous allons accepter le mandat de aller. Parce que aller, c'est servir le Seigneur. Toutes les personnes qui sortent pour aller évangéliser, vous êtes des serviteurs du Dieu vivant. C'est pas moi qui dis, c'est lui qui a dit. Il envoie ses serviteurs. Avec quelle mission? Partez. Pas rester, partez. Certains viendront, certains ne viendront pas. Il faut aller les chercher et les emmener dans la famille. Si quelqu'un a compris quelque chose, dis un bon amen. Amen. Maintenant, si tu as compris quelque chose, est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose ce matin? Incline ta tête là où tu es. Pendant 30 secondes, tu vas dire simplement à Dieu, Seigneur, donne-moi ce zèle. Il est écrit dans Jean 2, verset 17, que le zèle de ta maison me dévore. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le zèle. Le zèle, ce zèle, cette passion, cette flamme brûlante dans mon cœur pour aller. Moi, je veux obéir à Dieu, mais je ne sais pas comment faire. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Incline la tête pendant quelques instants. Demande à Dieu la grâce. Ce zèle pour aller dans les rues, aller parler aux inconnus. Il faut une audace. Il faut un feu. Demande à Dieu ce feu. Ce zèle est disponible pour toi maintenant. Ouvre ta bouche là où tu es et demande à Dieu. C'est Marie Macantale Abra. Zola qui a couru à Baba Sandirebosa. Oh Ribako Siabaka. Est-ce que tu es en train de demander à Dieu? L'obraka santo que la breta qui en des Pères, nous nous tenons devant toi ce matin dans le nom de Jésus le Christ. Toi qui envoies cette parole, chaque fois que tu envoies une parole, tu la charges de ta capacité, de ta grâce. Que la grâce, ce zèle pour aller, ce zèle pour témoigner, ce zèle pour dire aux invités à l'extérieur, venez, tout est prêt. Que ce zèle soit accordé à ton peuple ce matin. Seigneur glorieux Saint-Esprit, Seigneur glorieux Saint-Esprit, ce matin, Seigneur ce matin, ressuscite ce zèle, ressuscite cette passion, ressuscite ce fardeau de l'évangélisation, des gagnants d'âme dans le cœur de chacun d'entre nous. Ressuscite ce zèle, Père, par la puissance de ton esprit. Réveille en nous le zèle, ce zèle qui était mort dans ton cœur. Dieu le restaure ce matin. Demande-lui sa grâce est disponible pour toi ce matin. Sa grâce est là ce matin. Il veut réveiller le fardeau de gagnant d'âme, le fardeau de l'évangélisation. Malheur à moi si je n'évangélise pas. La nécessité m'en est imposée. Seigneur, accorde-moi cette grâce de gagner le maximum d'âmes, de sauver les âmes par tous les moyens. Je te prie, Père, pour mon frère et pour ma soeur, déverse sur ton église, déverse sur ton église, sur ton église, déverse cette passion pour les perdus. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Accorde-nous cette grâce d'aller les retirer du monde des ténèbres et de les voir entrer dans le royaume de lumière. C'est toi qui fais ces choses par la puissance de ton esprit. À toi l'honneur, la louange et la gloire, maintenant et à jamais. Dieu accorde cette grâce, Dieu accorde cette grâce, ce fardeau, cette passion dans nos cœurs pour réveiller le cœur des héros afin qu'ils aillent gagner leur monde pour Jésus-Christ. Par tous les moyens, par tous les moyens, il faut en sauver quelques-uns. Par tous les moyens, il faut en sauver quelques-uns. Est-ce que Dieu pourra compter sur toi? Est-ce que le ciel pourra compter sur toi? Est-ce que le royaume de Dieu pourra compter sur toi? Est-ce que le royaume de Dieu pourra compter sur ses ambassadeurs, ses servantes et ses serviteurs pour annoncer l'évangile par tous les moyens, par tous les moyens et par tous les moyens, dans le nom de Jésus. Gravons-nous cette parole prophétique par tous les moyens. Il faut sauver quelques-uns. Il faut sauver dans nos familles. Il faut sauver dans nos relations. Sauver dans la vie de nos proches. Sauver vers les inconnus par tous les moyens. Dans le nom de Jésus, fais de cette église une église d'ambassadeurs embrasés pour aller gagner le monde pour Jésus-Christ. Dans les avions, dans les trains, dans les bus, dans les voitures, dans les taxis, en marchant à pied, par tous les moyens, nous irons leur dire, venez, le prix a été payé. Tout est accompli. Tout est accompli. L'agneau a été crucifié. L'agneau a été immolé. L'agneau a été enseveli et le troisième jour, l'agneau de Dieu est ressuscité. Gloire, honneur,
louange et puissance, gloire et triomphe, domination, souveraineté, beauté, empire, autorité à l'agneau de Dieu qui a été immolé. À lui la victoire, à lui le triomphe, à Jésus le triomphe, à Jésus la splendeur, à Jésus les acclamations d'un peuple qui est reconnaissant dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons prié, nous avons rendu grâce à Dieu, nous avons entendu la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant? Donne un amen de reconnaissance.